Et salut les petits gars, c'est Daron Motard. Aujourd'hui, nous allons faire une petite balade locale. En fait, l'idée, c'est de vous faire découvrir un petit lieu un petit peu insolite et atypique dans le Brabant Wallon, donc près de chez moi, à moins de 20 km de chez moi. Donc, pour vous montrer que finalement, il y a moyen de faire une petite balade, de rouler, de découvrir des choses, tout en restant à proximité de son domicile. Et ça, c'est plus spécifiquement destiné à nos amis français. Alors aujourd'hui, il fait assez froid, hein, il fait proche des 0 degrés. Mais j'ai quand même décidé de faire une petite balade, et c'est la raison pour laquelle je fais une petite balade et une courte balade pour pas être congelé. Et pour prendre un petit peu l'air, le temps est relativement beau et sec aujourd'hui. On va quand même se méfier parce qu'il y a des... Il peut y avoir des plaques de glace, il a gelé cette nuit. Et aujourd'hui, donc, nous allons vers un château ferme, le château ferme de Wahange, qui se trouve dans la commune de Beauvechain, qui est un lieu assez peu connu, même par les gens qui habitent dans la région. Et la petite particularité, c'est que un chanteur belge aussi peu connu, mais qui s'appelle Julius Bocarn, qui est un chanteur wallon et qui a chanté Elle me l'avait tordi promis, une belle petite gaillole, etc. Enfin, je vous mettrai aussi une chanson. Donc, c'est un auteur wallon qui a en fait installé des stupas, des pagodes, dans un style un peu népalais, hein, parce que voilà. Mais il a installé ça donc juste dans un pré qui jouxte la ferme de Wahange. Et donc voilà, ben, je voulais juste aller voir ça, vous montrer ça, et également ben, vous montrer qu'il y a possibilité de se faire plaisir, de découvrir, de rouler un petit peu, tout en restant à proximité de chez soi. Restez prudent parce que ça peut arriver vite, et ça arrive vite en effet par ici. Ah, ici c'est une très belle route, hein, en plein milieu de la campagne et des champs. Maintenant nous approchons de la base de Beauvechain. Arrive à la base de Beauvechain. Alors, on voit les avions là à gauche. Qui sont de sortie. Regardez-moi ça. Donc, on n'est pas bien ici. Et voilà la ferme sur la gauche. On y arrive. Et on voit déjà sur la droite les pagodes. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir avec le soleil de face, mais les pagodes de Julius Bocarn. Voilà la ferme
qui se trouve là, qui est splendide. Donc c'est un patrimoine, ça a été classé patrimoine exceptionnel de Wallonie, je pense dans les années... Merci madame. Dans les années, je crois que c'était en 1984 ou en 1994 ou 1994, je ne sais plus, enfin donc c'est splendide. Et vous voyez que ici, on va essayer de se parquer là-bas. Voilà. Voilà donc ce que je voulais vous montrer, c'est mission réussie les amis, on a trouvé donc la ferme de Wanhege. Alors je l'ai vu orthographié avec S ou sans S, donc dans la commune de Beauvechain et l'entité de L'Écluse. Ben vous tapez sur Google Maps, vous la trouverez. Si vous avez envie de faire une petite balade, ben vous voyez à quoi ça ressemble. Donc c'est très joli. On va s'arrêter, on va faire quelques petites photos et puis ben on se retrouve pour la suite vers Jodogne. Allez, à tout de suite. Et alors oui, donc les pagodes, il faut que je vous explique. Donc Gilles Bocarne, qui est un poète, chansonnier, chanteur wallon, a récupéré en fait des anciennes bobines de câbles électriques et a décidé de faire des stupas, des pagodes, et il y en a une trentaine, mais je vois qu'elles sont dans un mauvais état, donc comme un espèce de champ énergétique en liaison ici, donc c'est très beau, paisible. Elles sont 36. Le 9 du 9, 99, elles étaient 36. Pour moi, c'est des antennes qui captent l'énergie du monde. Bah c'est ça aussi la moto, les amis. C'est ça aussi, donc, pouvoir profiter de petits instants comme ceci. À proximité, j'ai roulé à peu près une demi-heure pour revenir jusqu'ici, depuis chez moi. Donc, je dirais à tout casser, une vingtaine de kilomètres. Et voilà. Pour moi, ça me plaît, moi, personnellement, ces pagodes qui sont, des, pour mon avis, à mon avis, des capteurs, tu vois, capteurs d'énergie. Quand je marche dans la ville, eh bien, elles sont avec moi, les pagodes. Bien, les amis, on va reprendre la route, on va quitter la ferme de Wanhege. Très belle ferme, donc lieu que je ne connaissais absolument pas, vraiment à quelques encablures de chez moi, dans cette SB Brabançonne, avec une ferme typique de ce qu'on peut trouver ici dans le Brabant wallon, dans le Brabant de manière plus générale. Donc ferme qui a été apparemment rénovée au 18e siècle. Et donc si vous voulez faire des balades, ben, vous voyez, il y a des petits chemins en pavé ici qui sont fort agréables. On est vraiment à une encablure de Bruxelles. Hein. On est à 20 minutes, allez, 25 minutes ou une demi-heure maximum de Bruxelles pour se rendre ici. Et vous voyez que le dépaysement est quand même complet. Et notre fameux Jules Bocarne national qui a construit ses pagodes. Alors tout ça date de 1999, donc 99. Donc ça a un peu vieilli, ça a mal vieilli, j'avoue. Et c'est un petit peu en délabrement, mais c'est quand même, l'idée était quand même sympa. Voilà, alors on va aller dire bonjour à notre ami Olivier, on va aller vers Jodogne maintenant. Chouette lieu insolite, donc près de la base de Beauvechain. Je trouve ça marrant. Je trouve ça excessivement marrant. Dans les endroits insolites, on va donc découvrir la boutique de l'ami Olivier.
boutique BD qui, je rappelle, elle reste ouverte. Et voilà, vous pouvez pas la louper. Tic, 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 tic. Pardon. Et voilà le lieu insolite. Voilà le lieu insolite, la boutique de l'ami Olivier. Bisous mon loulou. Bisous casqué. Bisous de loin, casqué. On se balade. Oui, on fait une petite découverte de lieu insolite et donc je voulais montrer ta boutique. C'est très insolite chez toi. C'est très insolite chez toi, voilà. Voilà, voilà. Et donc voilà les amis, c'est ici que se termine cette petite balade, cette découverte de lieux un peu insolites, l'épisode 2. J'espère que vous appréciez, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous laisser un petit pouce bleu, vous laisser un petit commentaire et vous n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Voilà, je vous embrasse toutes et tous, portez-vous bien. Si vous sortez, ben sortez chaudement habillé parce qu'il fait caillant. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la route. À très bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao, ciao. Allez, vas-y, madame. Qu'est-ce qu'elle fait ? Donc, je disais... Après, cette dame qui est gentiment au téléphone dans sa voiture, qui cherche peut-être son chemin, je vais bien, mais tu t'arrêtes alors sur le côté et tu regardes ça à ton aise.